Apocalypse. Salut à tous, c'est Ori, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc on va continuer le let's play de Anthem pour l'épisode 2. Donc c'est parti, on va continuer le mode histoire tranquillement et voilà. Donc là il faut qu'on retrouve Owen. Donc c'est parti, on y va. Des instruments laissés par les dix démiurges lorsqu'ils ont abandonné le monde qu'ils avaient créé, de forme, taille et fonction variées, les reliques sont alimentées par l'hymne de la création. Il est dit que ce seraient les outils qui ont permis de construire le monde. Si une relique est activée et submergée par l'hymne de la création, elle crée un cataclysme qui aboutit souvent à sa fragmentation. Les lanciers découvrirent petit à petit qu'ils pouvaient neutraliser une relique en remettant ses fragments en place. La relique frémissait devant eux. Pour les freelancers, il n'y avait pas une seconde à perdre. Périmode partit à gauche, fourra l'écho le plus proche dans son sac, puis se précipita sur la relique pour la neutraliser au plus vite. Guillimer partit à droite pour protéger les citoyens du marché et les mettre à l'abri. Enfin, Uri, soudain guéri de son ébriété, leva sa masse et ricana en regardant la chimère que la relique venait de cracher. Extrait des trois freelancers, Fallon Dalati. Ok. Sur les cartes aussi du codex. Vous pouvez accéder aux cartes du codex depuis le menu. Lorsque vous souhaitez plus d'informations, vous reviendrez au menu sur lequel vous étiez en quittant le codex. Allez, on y va. Sacré boulot. Ça va. Un numéro d'arcaniste. Bah, qu'est-ce qu'il fait là-dessous? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as bien senti, hein? Le grésillement. Ça grésille, là, non? Non, tous les relevés restent dans les limites acceptables. Tu sais, tu devrais oublier un peu les chiffres pour une fois dans ta vie. Il y a un truc qui cloche. La connexion, elle est un peu floue. Et comment tu mesures le flou? Mais ça se mesure pas, le flou. Tu peux pas le quantifier. Je veux dire, ça marche pas comme ça. C'est un ressenti, tu vois. Tout va bien, Owen? Eh ben, disons qu'à ta dernière mission, j'ai remarqué que le fauteuil de cryptage commençait sérieusement à faire des siennes. Tous les relevés restent dans les limites acceptables. Ah, c'est toi qui vois, mais si tu laisses comme ça et que quelque chose tourne mal, alors... Alors, je trouverai un arcaniste pour effectuer une inspection protocolaire de ce matériel. Bah, voyons. Évidemment. Y a pas de problème avec le fauteuil, c'est ça? Non. Mais pourquoi tu cherches toujours les ennuis? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de lui faire une sacrée fleur, là. T'as pas idée comme c'est lassant d'être crypteur au fort. Elle peut pas bosser avec un freelancer. Elle peut pas voir le monde à travers les yeux d'un pilote de javelin. Non, 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 tu sais ce qu'elle peut faire? Elle a le droit de relayer les messages officiels dans un sens et dans l'autre au crypteur de la capitale jour après jour après jour. La routine peut avoir du bon. Tout le monde peut pas être freelancer. C'est ce que tu dis? Mais tu dois bien le reconnaître. La dernière mission se serait mieux passée avec un partenaire. J'ai un partenaire. Toi, tout pilote de javelin a besoin d'un crypteur. C'est pas ce que je voulais dire. Écoute, si j'avais mon propre exo, je pourrais venir sur le terrain avec toi. On se calme, champion. Continue à t'entraîner et t'auras ta chance. C'est promis. D'accord. De toute façon, on peut pas se permettre un autre exo tant qu'on n'a pas de boulot. On trouvera une solution, comme toujours. Mais oui, comme toujours. Ouais. T'as jamais regretté d'avoir raté la grande époque? Celle où les freelancers étaient vus comme des héros? Les contrats pleuvaient sans lever le petit doigt, partout où ils allaient, on leur donnait du respect. Et des sandwichs gratuits. Sandwichs gratuits? Ouais, moi j'ai pas mangé, j'ai faim. On manque de budget. On a assez pour des sandwichs. T'as sûrement raison. Tu sais quoi? Et si t'allais faire un tour par la forge, histoire de régler ton javelin, qu'on soit prêt à partir au cas où il se mettra à pleuvoir des contrats? Allez. Allons à la forge. Apprendre à connaître la forge. Scar sans hardis, ça c'est clair. Ça ne t'inquiète pas. Ce qu'on peut faire. Ok.
Owen, tu veux quoi? Comment ça, je veux quoi? J'ai eu ton message, tu me donnais rendez-vous à la forge. J'ai rien envoyé. Pourquoi? Je voudrais te voir ici. Il y a quelque chose qui va pas. Je voulais vous parler en privé. Mon nom est Tassin. Et vous vous déplacez jamais sans vos gardes du corps? Si, ça m'arrive. Mais les sentinelles ont leur utilité. Eh ben, on peut dire que vous soignez vos entrées, vous. J'ai un contrat pour vous, freelancer. J'aime savoir pour qui je travaille avant d'accepter. Vraiment? Comment elle fait la maligne, elle? De ce que j'ai entendu dire, vous prenez n'importe quelle mission qui tombe entre vos mains ces temps-ci. Et c'est quoi la mission? Un arcaniste a disparu. Disparu? Il reste pas dans un labo à étudier les reliques des démiurges? Mathias Sumner était à la recherche de reliques dans des ruines. Je veux que vous le retrouviez et que vous le rameniez. S'il est encore en vie? Il connaît les dangers que représentent les artefacts. Entre ses connaissances et son ingéniosité, il a toutes les cartes en main pour survivre en vous attendant. Vous en dites quoi, freelancer? Je saurais me montrer généreuse. Je dis qu'on va y aller, hein. Je crois que les freelancers repartent en mission. Enfin, nous, quoi. Pardon, il faut que je... Excellente nouvelle, je vais faire mes diagnostics. Dis-moi quand tu veux partir. Madame? Madame. De la part de Mathias et moi-même, merci de vous en charger. Y a pas de quoi. Ok, et si j'ai besoin de... Trouvez Mathias. Et croyez-moi, il vaut mieux m'avoir dans ses relations. C'est des menaces, non mais... Forge déverrouillée. La forge vous permet d'équiper de nouveaux équipements et armes. De personnalité, l'apparence de votre javelin, j'ai pas eu le temps de finir de lire, merci. Alors, la forge. Tassin vous a donné les ressources nécessaires pour remplacer votre vieux javelin. Faites le bon choix, vous devez utiliser cet exosquelette jusqu'à ce que de nouvelles classes de javelin soient disponibles au niveau 8. Même si vous redémarrez le jeu. Tempête. Commando. Colosse. Interceptor. Alors, le tempête. Dans l'unité des meufs. D'aile de javelin, la tempête utilise des sauts à cœur de braise afin de maîtriser la puissance des éléments. Ses capacités de léviation compensent sa faible armure pilotée par un lancier compétent. Ses attaques élémentaires, foudre et glace, entre autres, font un outil inestimable contre le Dominion. Okay. Offre un bon équilibre entre protection et vitesse, ce qui le rend son attaque. Comme en défense, les propulseurs du commando permettent de frapper rapidement les ennemis et de parcourir les environnements difficilement accessibles lors des phases d'expédition. Des bombes blindées, tapis de la société humaine. Oh non, ça c'est le tank, on est d'accord. Une combinaison d'éclaireurs pour les missions diplomatiques et d'exploration. Intercepteur est le javelin le plus agile et acrobatique qu'un lancier. Puisse trouver sa vitesse extrême, son agressivité en combat rapproché feront le bonheur des lanciers qui privilégieront la vitesse sur le champ de bataille. Écoutez, je pense qu'on va partir sur le commando. Apec. Alors, utilisez l'onglet confirmation pour changer d'armes, de pièces et d'équipements. Créer des configurations personnalisées dans le menu javelin R. Appuyez sur espace sur les onglets déverrouillés pour changer d'équipement. Appuyez sur clic droit pour déplacer la caméra et clic gauche pour pivoter autour de l'exotique de l'exo. Zoomez en avant et en arrière avec molette. E pour les options de personnalisation. Ok. Un réservoir et plusieurs espaces. Comparer l'élément équipé actuellement à droite avec sélectionné à gauche. Démanteler les éléments pour obtenir des matériaux de fabrication. Maintenant F. Ouvrez le cortex J pour en savoir plus. Ok. Équipé. Fabrication. On peut pas. Ok. Des éclats pour acheter les nouveaux éléments d'apparence. Ah d'accord.
Peinture. Tactique. Ouais, ok. On va préparer ce lave-là. Verrouiller. Grenade, ok. Bon bah. On n'a rien de toute façon donc. Ah mais il a changé de tête en fait. Lancer une expédition, c'est parti. Alors... C'est parti. Sélectionnez votre mission, votre difficulté et les paramètres de confidentialité. Une nouvelle mission et un nouvel objectif sur la carte. Invitez les joueurs utilisant E pour lancer la mission en appuyant sur F. Ok. Non, je veux pas de matchmaking moi. En fait, privé. Voilà. Non, on va continuer en privé et on verra bien ce que ça donne. Voilà, voilà. Ouf. On y est, freelancer. Prêt à te lancer? Et comment? Parfait. Ne faisons pas attendre ce monde vaste et cruel. Le contrat consiste à retrouver un arcaniste nommé Mathias. Tassine nous a communiqué sa dernière position connue. Vous avez vu comment c'est beau? La position communiquée par Tassine est toute proche. Je capte le signal radio à onde courte du campement. Personne en vue. Owen, de ton côté? Beaucoup de matériel cassé. Matos d'arcaniste à vue de nez. Rien d'autre hormis le signal radio. Et pas de Mathias. Un instant. Je relève un autre signal radio. Ah bon? Même fréquence. Il doit y avoir plusieurs campements. Suivons le signal. Ok, je tiens une piste. Il faut se rendre à l'endroit que j'ai indiqué pour une meilleure réception. Il y a autre chose à savoir? À part que les arcanistes arrivent toujours à s'attirer des ennuis à s'aventurer ici? Non, à propos de ce Mathias. Brillant et téméraire. Il a une certaine réputation chez les arcanistes. Et pas particulièrement bonne. La sale réputation, c'est au chapitre premier du manuel des freelancers. Le signal radio s'intensifie. Mathias a visiblement établi plusieurs camps. Oh non. Des arcanistes? Ouais. Mathias? Il est pas ici. Essaie de trouver de quoi remonter sa piste. Oh. Le gouverneur Tanner approuve par la présente le lancement de l'extension de Fortasis. Avec ses tours de radio, l'empereur autorise les sentinelles à patrouiller et accorde l'avènement
une nouvelle ère pour Fortasis qui chaque jour reçoit de nouveaux habitants venus participer au fabuleux projet de la Vallée d'Honneur. Okay. C'est de là que provient ce signal. On peut s'en servir pour chercher l'autre camp. Allez. Ça va prendre du temps. Compris. Alors au boulot. Le Quake. Peut-être. Ouais, plus pour longtemps. C'est quoi ce bordel? Une embuscade. Des Scars. Ces saletés de charognes. Inoblutifs. Ils sont partout à la fois. T'as terminé avec la radio? Non, je suis encore dessus là. Détruis tous les essaims qui apparaissent. Ça permet parfois de ralentir les renforts. Plus d'essaims, plus de Scar. Compris. Élimine les Scar qui restent. Un signal radio ? Je suis encore dessus. Je trifouille un peu le signal radio pour avoir l'emplacement suivant. Je comprends, mais grouille. Ça va, je sais, il y a beaucoup en jeu. D'autres essaims. J'ai remarqué. Allez. Le seul moyen d'arrêter les Scars, c'est de détruire leurs essaims. C'est la dernière de ces atrocités. Occupons-nous des Scars qui restent maintenant. Et où ? Alors, t'es où ? Mathias ? Où es-tu ? Il a pas entendu. Mais je crois que j'ai trouvé un autre campement. Ok, on y va. Du neuf à propos de Mathias ? Non, que dalle. Et je viens de perdre le signal radio. On a besoin de quelque chose pour renforcer le signal. Ah ouais, quelque chose comme ça. Scar à gogo ? Oh non. J'ai jamais vu les Scars aussi agités. Qu'est-ce qui leur prend ? J'en sais rien, mais c'est mauvais signe. On n'a pas le temps de lire. D'autres Scars arrivent. On dirait qu'ils utilisent les portes. Je les hais. C'est vraiment injuste. Juste l'activer. Et voilà, c'est fait. Je grimpe les escaliers. J'espère trouver un abri. Des Scars me poursuivent. Mathias ? Il nous entend toujours pas. J'ai une position.
on va dans l'eau. Allez vite, on va le chercher. Je vois pas la liste. Owen, un coup de main ? Il est pas ici. Attends, voilà la radio dont on traçait le signal. Est-ce qu'il arrêtait en train de la bousiller ? Si on la répare, je parie qu'on peut joindre Mathias. T'es mort toi. Bah il est où ? Ah. Qu'est-ce qui leur arrive à ces Scar ? Quelque chose les met en rage. Allez, on répare. Allez, et voilà. Je commence les réparations. Owen, on dirait pas que c'est réparé. Laisse-moi juste... Oh, portail. Attends, on a de la compagnie. Ça peut être réparé? Oui, bien sûr. Occupe-toi des Scar, je vais regarder ça. Aïe, aïe, aïe. Ça fonctionne. J'ai une position. Je te transfère, Mathias. Appelle à toutes les personnes présentes dans la zone. J'ai besoin d'aide. Les Scar sont partout. Ça marche. Mathias, tu m'entends? Je t'entends. Quel soulagement. Je suis caché. Mais les Scar ne vont pas tarder à me trouver. Je les aperçois. Vite. Tiens bon, on arrive. J'arrive, mec. Mathias a réussi à monter tous ces escaliers pour arriver jusqu'ici. Il a accompli des miracles avec une armée de Scar fait. Aïe, j'ai pris le mur. Yes, on l'a trouvé. Mathias, tu m'entends? Ouais, je suis là. Je reçois quelque chose sur ce signal radio. Tout va bien? Un peu secoué, mais... Un petit peu de minéraux. Tu vois la rampe devant toi? Celle avec la statue. Vas-y. Les Scar
Scar, t'en vois près de toi? J'ai eu des problèmes à plusieurs endroits. Quelques ratés, ils sont plutôt tenaces. Attends, c'est quoi ça? J'ai trouvé des réservoirs. Ils pourraient être utiles. Ne fais rien de risqué. T'inquiète pas, l'explosion sera contenue. Tu ferais mieux de te dépêcher. J'ai une colonie ici. Ce sera toujours ça de moins à gérer pour Mathias. Les essaims. Occupons-nous des Scar. C'est parti. Les décors, ils sont vraiment sublimes. Allez, bouquet final. C'était ma dernière surprise, Freelancer. Bouge pas, je m'occupe de les garder à distance. Merci beaucoup. T'es chiant, Mathias. Et tu pourras pas chez les Scar. Je dois continuer d'avancer. C'est pas moi qui vais te contredire. C'est tout prêt. Fais attention.
pas ce que c'est, mais ça a l'air dangereux. Le dérouilleur, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je m'en fiche de son nom. Allez, allez, allez. Non. Ah, mais il y en a un autre, je l'ai pas vu. Ah, c'est chaud. Putain, il va mourir. Il reste encore du. Oh, bah dis donc. Ouais, c'est bon. Liquide dans ce qui reste. Ça te va? Ouais, ouais, ça me va. Bah. Ok, pas de signal actif. Je continue à surveiller. Tu devrais aller voir comment va Mathias. Mathias? Par ici. C'est ce qui me laisse perplexe. Les accrochages sont fréquents entre Arcaniste et Scar sur les sites des Démurges. Mais ça, c'est nouveau. Il faut que j'en réfère à Tassine. Eh bah sinon, c'est riche en combat au moins. On s'ennuie pas. Fin de la mission. Bon bah moi je vais vous laisser là pour le deuxième épisode. Hein, voilà, on a sauvé l'Arcanisque. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.